Salut à tous et bienvenue au Café Society avec notre invité. Bien souvent, il faut peu de mots pour exprimer l'essentiel. C'est notre ami, nous l'aimons beaucoup, c'est Laurent Gérard. Salut Laurent. Salut Laurent. Laurent. Comment ça va? Je te présente Anne Braillette. Oui. Ça fait un peu son surnom. On n'en parlait pas. On le dit, ma braguette est cassée. Voilà, vous le savez. Donc soyez pas surpris, éventuellement. Faire monter l'audience. Effectivement. Ça glisse. On le voit pas. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va parler d'un spectacle extraordinaire, surtout à ne pas louper. Moi, j'ai eu le plaisir, pour tes 50 ans, le jour de tes 50 ans, de te voir sur scène à l'Olympia. Il s'intitule « Sans modération ». Alors, ça va être simple. Un spectacle, il faut le découvrir. Donc, il faut venir nous voir. Le concept est génial. Jusqu'à la fin du mois de juin, me semble-t-il, tu vas être dans toutes les salles de Paris, du moins les salles Absolument. Qui ont marqué tes 30 ans de carrière, mine de rien, mon cher Laurent. Oui, bientôt 30 ans. Ouais. Et j'ai décidé à cette occasion de faire toutes les salles qui m'ont accueilli depuis mes débuts. Ne serait-ce que pour faire un clin d'œil au public et aux directeurs de ces salles qui ont pris parfois des risques. Donc j'ai commencé par le Don Camillo, les deux ânes, il va y avoir le De Jazet, Théâtre De Jazet qui est la première grande salle que j'avais faite. Ouais. Et puis après Casino de Paris, Palais des Sports et Palais des Congrès. Et également faire une tournée à travers toute la France. Et à Lyon aussi. Plusieurs dates aussi à Lyon. Hein. J'ai pu regarder, évidemment. Mais c'est un vrai plaisir. C'est un retour un petit peu en arrière. Mais c'est sympa de se replonger. Et c'est une mécanique un peu particulière, puisque pour la première fois, il y a un décor. Oui. Donc, le décor d'un théâtre, face au public, et également le côté loge. Pourquoi justement cette petite différence qui fait justement cette nuance? C'est un décor de Stéphanie Jarre. Elle m'a dit, c'est quoi ton univers? Ben, j'ai dit, moi, ça fait 25 ans, un peu plus de 25 ans, que je suis toujours dans les loges, et dans les théâtres, et dans les zéniths, et dans toutes les salles de province. Et voilà, ça fait partie de mon univers. Et ça permettait aussi, du coup, de faire les transitions entre les sketchs. Ce qui est plus dur, c'est de lancer les sketchs, de trouver un fil conducteur, un liant, entre guillemets. Et du coup, là, on l'avait avec l'idée du décor. Pour l'instant, Anne n'est pas allée voir le spectacle, comme certainement beaucoup d'amis qui nous font le plaisir de nous regarder. Alors, si tu avais une question à lui poser à Laurent pour donner justement, et surtout aller voir Laurent sur scène, ce serait quelle question que tu lui poserais? Oh là là, c'est piège! Eh oui, il faut. Qu'est-ce que je pourrais demander? Ce spectacle, est-ce qu'il y a un côté. Est-ce qu'on a un petit côté best-of des meilleurs sketchs ou pas du tout? C'est que du sketch inédit? Bonne question. La meilleure question, c'est Anne qui la pose. Comme quoi, elle n'a pas de braguette, mais elle a l'idée. Non, mais c'est pour ça. Non, parce qu'au début, effectivement, je voulais faire moitié-moitié. Je voulais faire moitié de nouveaux sketchs et puis quelques sketchs, on va dire, qui ont marqué un petit peu le public. Qu'on me réclame de temps en temps. Et puis finalement, je me suis retrouvé avec 2h20 de spectacle, donc j'ai enlevé les anciens sketchs, ou alors je les ai réadapté. Par exemple, le sketch de Chevalier Las Palès, les pénibles. Il y a un petit peu de Céline Dion, il y a Couillou le Caribou, mais j'ai des petites allusions à certains sketchs, comme la cabane au fond du jardin. Mais j'ai vraiment voulu faire un spectacle entièrement nouveau. C'est le spectacle le plus personnel parce que c'est la première fois où je parle un petit peu de ma carrière entre les sketchs. Je ne vais pas emmerder le monde avec ça, hein, mais en tout cas, c'est un plaisir de partager ça avec le public qui m'a suivi pendant toutes ces années. Carnet d'un sale gosse, voilà, aux éditions Cherche Midi. Tu te livres, enfin, pas seul, tu racontes ou on te raconte, justement, de l'âge de 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Je ne voulais pas que ce soit la première personne, parce que c'était... Oui, c'est ce qui surprend déjà quand on lit, c'est pas toi qui s'adresse à nous, c'est plutôt quelqu'un d'autre qui parle de toi. Voilà. Effectivement, de ton parcours. Pourquoi as-tu l'envie de te livrer autant dans un livre comme celui-ci? Parce que tu te livres beaucoup. Ben, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup, beaucoup de documents entre mes parents. Moi, qui suis assez conservateur, j'avais gardé beaucoup, beaucoup de choses. Et en me replongeant dans le spectacle, puisque je voulais faire un spectacle qui remontait le temps depuis l'année 1967, donc je me suis replongé dans des archives, dont les miennes. Et je me suis dit, ben, tiens, c'est dommage de ne pas faire partager ça au public qui me suit depuis toutes ces années. Je le remercie d'ailleurs à chaque fois. Ce qui est important aussi, c'est une vraie passion. Laurent, quand il veut se déconnecter totalement, vous l'appelez, il ne répondra jamais parce que le téléphone ne passe pas. Il s'en va, il part sur des skis. Alors, il faut faire un petit peu attention quand même parce que c'est souvent du hors-piste. Hein. Oui. T'adores cette sensation justement que de skier en hors-piste. Oui. Alors. Ben oui, je sais que c'est on dit. Ce n'est pas bien. Il faut pas. Et le casque. Je pars déjà avec des guides.
Je suis équipé, contrairement à beaucoup de gens qui vont hors piste et qui ne connaissent ni la montagne, qui ne sont pas équipés. Donc j'ai un Arva, un appareil de recherche, un airbag. La deuxième étoile. La deuxième étoile. Mais c'est vrai que l'année de mes 40 ans, j'avais décidé d'aller faire du ski un peu partout dans le monde. Donc j'avais fait le Canada, le Groenland, la Turquie. Et cette année, ben voilà, j'ai fait le Liban, le Caucase et le Kamchatka. C'est une passion. Donc, c'est ta passion, c'est ouais. D'être au milieu, ouais. Milieu de... J'adore la montagne. J'ai un immense respect pour les gens de montagne. Il y a une espèce de rapport qui est assez spécifique avec les éléments. On est dans un milieu qui peut être hostile, mais qui peut être fantastique. Et moi, j'aime cette sensation-là. Et Johnny Hallyday, tu l'as très bien connu. Et Johnny Hallyday, tu étais un ami, un vrai, contrairement à d'autres. Tu le fréquentais quand même régulièrement. Il t'aimait beaucoup. Oui, je le voyais. C'est vrai que. J'ai jamais voulu insister à dire, je suis pas dans ce dans son cercle, chaque dans fois, le premier cercle. Mais non. Chaque fois qu'on s'est vu, c'était des moments exceptionnels. Et Johnny avait cette capacité, c'était de reprendre une conversation qu'on avait pu avoir il y a un an. C'est extraordinaire. Quelqu'un d'observateur, de brillant. Ouais. Et qui, il se remémorait des choses. Et surtout, il avait un sens, évidemment, de l'amitié. Du partage et du partage, je sais pas en ce moment. Oui, s'il faut dire. Oui, s'il faut dire des partages. Non, mais justement. Non mais vas-y. Non mais je veux dire, il aimait partager des belles choses et notamment des bons repas avec ses amis et ça c'était son. Ben voilà, tu vois, tu m'as tendu la perche, je vais la saisir au passage. Ça y est, c'est fait. Un mot sur justement la polémique du moment autour de son héritage. Alors sincèrement, j'ai pas. Il y a trop de gens qui s'en mêlent. Non mais la vie de Laurent Gérard, très simplement, quelques mots. Je crois que ce qu'a dit Michel Drucker a été ce qu'il y a de plus juste. Ça leur a emmerdé toute cette histoire. Faut respecter. Moi, je lui rends hommage en spectacle. Je l'ai fait le soir même, sans surfer sur quoi que ce soit dans le pathos ou dans le misérabilisme. Donc moi, j'aime avoir l'image des gens que j'ai aimés et que j'ai côtoyés intacts avec les beaux moments que j'ai passés avec eux. Or, j'ai passé des moments exceptionnels, j'ai pu chanter avec lui, c'est extraordinaire, je garderai ça. Après tout ce qui se passe après, il y a des avocats, moi ça me regarde pas et je crois que tout le monde donne son avis au bout d'un moment. Le feuilleton, il a un poil long. Mais c'est un petit peu triste que ça se termine un peu comme ça. Ah ben c'est triste. Voilà, évidemment. Ça c'est une certitude. C'est triste. Oui, effectivement. Et le connaissant, c'est assez étrange quoi, tout ce qui se passe. Voilà. On n'en dira pas plus, vous l'avez compris. Et ta première vocation, Laurent, c'est chanter. Ta première vocation. Ah oui, alors tu l'as expliqué, tu es monté aussi sur scène avec un groupe, que c'est quelque chose d'important. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que Laurent, alors à défaut d'être un chanteur raté, mais pas au sens premier du terme, un chanteur frustré. Album de chansons inédites de Laurent Gérard avec la voix que tu as. Quand est-ce que tu auras le courage? Je sais pas si le public m'attend là-dessus aussi. Donc. Oui, mais le public, tu lui proposes, il prend ou il prend pas. Tu feras un duo avec Booba, Orelsan. Oui, tu corrigerais ses fautes. Oui. Non, mais à quand? Parce que c'est quelque chose qui t'anime depuis le début, même avant l'imitation. Non, parce que moi, j'étais très content de trouver ma voix avec la voix des autres. Hein. Oui, ça risque de faire un succès comme Elie Semoun, c'est pour ça, tu as peur? Non, mais en plus, sincèrement, j'ai la chance d'avoir... Je le redis, fait une belle rencontre, notamment Charles Aznavour qui m'a écrit 4 chansons. Il m'a dit alors il faut qu'on... Et puis je voudrais, à ce moment-là, si on fait un album comme ça, c'est faire découvrir des choses que j'aime moi, comme par exemple des chansons de Bernard Dimet ou certaines chansons que chantait Jean-Claude Pascal que j'aimais beaucoup. Ce sont des chansons un petit peu à texte ou des chansons un peu... parfois méconnu. C'est dommage, il y a un tel répertoire. Mais fais-le, tu peux se faire. Oui, peut-être, ça veut dire que c'est une vraie idée. Enfin, c'est une idée que tu as déjà imprimée ou pas encore? Non, pas encore. De faire un album de reprise. Je crois en pas grand-chose, mais la vie me donne des signes. Donc mais il faut le faire. Il faut faire, t'as une trop jolie voix pour ne pas le faire. Et je vais le produire. Un album de reprise de Jean-Paul Bayard. Voilà, bah oui, on passe ça. Il a fait avec la Mont-Saint-Jean, tout ça. Non, mais il chante d'une façon extrêmement mélodieuse et très touchante. Étrangement, j'ai jamais pris de cours de chant, ni pris de cours de solfège, etc. Mais j'ai la feuille parce que j'entends quand il y a une fausse note. Et j'ai tellement écouté de musique, même quand j'étais petit, j'ai toujours été bercé par la musique, par les chansons et par... Oui, le jazz aussi, j'aime beaucoup. En fait, j'ai des goûts assez différents.
Ouais, très éclectique. Pas très moderne, certes. Oui. Mais il y a tellement de belles choses. Mais en cinéma. Ce qui est formidable, c'est que tu n'as mais que ça. Je vais dire, oui, mais en cinéma, c'est exceptionnel, ça aussi, le cinéma. On pourrait en parler tout de suite. J'allais dire, tu as 50 ans, mais en fin de compte, tu es resté un adolescent, comme on dit, un vrai gamin. Lorsqu'on connaît Laurent, alors évidemment, c'est pas le gamin qui part dans tous les sens, il sait à peu près ce qu'il fait. Mais c'est ça qui était extrêmement agréable, c'est que tu es resté tel que tu es, c'est-à-dire le petit garçon de 5 ans. Et puis quand on te voit sur scène, c'est un peu ça. C'est un enfant. C'est un peu de respect pour Céline Dion, s'il vous plaît, puisqu'elle a quelques petits problèmes éventuellement qui pourraient l'amener à une fin de carrière. L'esprit gamin. Alors, c'est ça. Et pas gabin. Tu as raison. L'esprit gabin. Gabin aussi. Ouais. Justement, quand on parle de l'esprit gamin, on parle de Cyril Hanouna. Il faut en parler aussi, puisque c'est un peu la tendance du moment. Il n'y a pas une émission, on n'en parle pas, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous suivez beaucoup son actualité. Tu étais présent souvent dans son émission. On t'y voit plus. La raison pour laquelle, justement, tu as décidé peut-être de t'y rendre. En plus, je l'aime bien, Cyril. Mais il te rend bien. Je le croisais à RTL. Non, c'est quelqu'un je trouve qu'il a du talent. Et mais on t'y voit plus, ouais. Mais non, j'y vais moins parce que j'y suis allé pas mal de fois. Puis il faut y aller quand on a quelque chose à y faire. Et en ce moment, non, je vois pas. Sur cette période-là. Et puis, il y a beaucoup de monde. C'est-à-dire que c'est une émission qui est très, très riche, je veux dire. Et parfois, on a du mal à trouver sa position quand on est invité, c'est tout. Oui, c'est alors. On prend le temps. Lorsque je te voyais dans cette émission. Qu'on prenne le temps de se raconter des choses. Des choses voilà. Mais à la fois, c'est tellement un succès d'audience qu'il faut peu de choses pour justement faire passer le message. J'y retournerai sans doute. J'espère. C'est une bonne nouvelle, puisque moi, j'aimais bien t'y voir. J'étais un peu surpris de t'y voir. Parce que j'avais l'impression justement que tu t'ennuyais un peu. Alors c'est mon impression, ça n'engage que moi. Ce n'est pas contre Cyril Hanouna, ce n'est contre personne. Effectivement, c'est l'impression que tu donnais. Mais peut-être que c'était non, pas le cas. Non, c'est pas. Toi qui es un gamin, tu pourrais quand même monter sur scène. Enfin, tu pourrais monter sur la table de Cyril Hanouna et partir en live sans aucun problème. Oui, effectivement. Mais c'est pas le genre de la maison. Oui, mais c'est le genre. En revanche, en spectacle, aller voir Laurent Gérard en spectacle, parce que sur scène, vous allez être un peu choqué parfois, un peu. Mais tant mieux, c'est bien comme ça. Ça, on aime ça. Ouais, effectivement. Une question aussi qui me semble incontournable. T'en parles un peu, mais très peu dans ton livre. C'est Laurent Ruquier, puisque à un moment il t'a tendu la main. Ouais. Il t'a téléphoné pour te proposer de participer à une de ses émissions sur France Inter. C'était rien à CIEM, mais d'ailleurs il est à l'origine de beaucoup de choses. Et également de monter sur scène et au Do Camillo au départ. Absolument. Et t'as refusé sur le moment. Et t'as dit d'ailleurs que t'étais un con. Bon, oui, il avait raison. Et alors c'est à partir de là où on ne voit plus trop ensemble, on a l'impression que parfois, enfin vous êtes moins copains, peut-être que à l'époque vous auriez pu l'être. On prend des directions qui sont un peu différentes. Et puis voilà, moi j'ai décidé de me consacrer un peu plus à la scène, moins faire de télé. Il y avait une expérience avec Rien à cirer télé qui était, c'est pas l'un des meilleurs souvenirs, parce que j'étais chez Jacques Martin. C'était un petit peu difficile pour moi d'être dans les deux émissions. Et puis, j'aimais bien faire de la radio. Puis après, voilà, nos chemins se sont un peu séparés. Il a été un des auteurs à un moment, Rien à cirer. Ah ben oui, bien sûr. Mais je suis reconnaissant, je le dis. Mais après, on n'avait peut-être pas de. Voilà, c'était pas le. Il y a des moments dans la vie. Voilà, mais vous allez vous retrouver parce que vous êtes des gens bien tous les deux. Sans doute. Ouais. Voilà. Non mais c'est. Mais j'aime que les gens généreux s'aiment. Oui. Mmh. Ah, vas-y. Hein, c'est comme ça. Bon. C'est son côté Mère Teresa. Oui, c'est mon côté un peu Mère Teresa, mon fils. S'aime. Mon fils, tu vas répondre à cette question. Tous les loulous s'aiment. Oui, on s'aime. Tous mes amis sont là. Ils sont tous là. Pourrais-tu arrêter définitivement de monter sur scène en tant qu'imitateur pour le cinéma? C'est une vraie passion, une histoire d'amour profonde et longue, ancienne. Ah oui, oui. Alors, choisir, c'est renoncer. La scène, c'est. Peut-être que je ne vais peut-être pas encore faire pendant 10 ans des imitations. Je me dis peut-être qu'après, au bout d'un moment, ça va devenir ridicule. Je ne sais pas, la ville me donne des signes. J'adore le cinéma. Vraiment, c'est une vraie, vraie passion. J'ai eu quelques expériences. On attend beaucoup. Moi, je suis quelqu'un d'assez impatient. Oui. Donc il faut quelques expériences, surtout pour la télévision. Et attendre. Ouais. C'est pas vraiment au cinéma, on attend beaucoup. Mais chaque fois que j'ai eu une expérience au cinéma ou pour des téléfilms, d'ailleurs c'était des rôles plutôt dramatiques. Hein. C'est pas, j'ai jamais fait de comédie. Ça m'intéresse pas trop vu que bon,
faire marrer, j'essaye de le faire. Oui, ça tu le sais faire. Quelques années, mais c'est quelque chose que tu pourras envisager à un moment de dire, voilà, ça fait 30 ans, 35, 40 ans, je vous aime, on va se retrouver sur un autre chemin. Je repousse régulièrement le truc. Donc tu y as pensé ? Tu y as déjà pensé ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est pas... Bon, il y a un petit peu des chapelles aussi en France, hein, c'est-à-dire qu'on catalogue les gens dans certains registres. Alors... Moi, je suis passionné de cinéma et j'ai fait des études de cinéma. Ouais. Ça ne veut pas dire forcément que ça va être... Grand copain de M. Frémaux au Festival Lumière, parce qu'on aime beaucoup le Festival Lumière à Lyon, qui est comme ça. Formidable, délégué général du Festival Lumière. Tu es toujours présent, par ailleurs. Oui, j'ai la chance d'être membre. Alors, c'est que des films en noir et blanc qui donnent des années 10. Non, j'ai fait ce trait, j'en étais sûr. Voilà, ça y est. Attends, tu ne vas pas me l'expliquer, je le connais un tout petit peu aussi, ce festival. Et c'est vrai que tu es très fidèle aussi et que le cinéma, c'est une véritable histoire. Ça fait partie de ma vie. La musique, le cinéma, la littérature. Donc, l'album de reprise, c'est prévu. Arrêter la carrière, pas aujourd'hui, mais ça peut s'envisager. Mais je me suis rendu compte, parce que là, je me suis arrêté pendant un petit moment pour faire du ski, justement. Parce que c'était... Et que quand même, il y a des moments où je me disais, bon, il va falloir que je retourne un peu faire des spectacles, ça me manquait. Il y a un truc qui manque avec le public, c'est une telle générosité. D'ailleurs, après, il y a beaucoup d'adrénaline et j'ai du mal à m'endormir. J'ai deux rythmes qui sont un peu différents, pour tout vous dire. C'est-à-dire qu'en faisant de la radio le matin et en faisant des spectacles, c'est pas le même rythme, même biologique, on va dire, en se levant. Mais j'ai la chance de bien dormir. Et du coup, je récupère bien et je suis en pleine forme. Tout va bien. Mais tout va bien. Pas de problème de dos. Pas de substance illicite. C'est un regret. C'est pas un regret. Un peu de sport et mine, c'est tout. Et sur RTL, justement, lorsque tu pars. Alors, lorsque tu pars, évidemment, dans tes délires, et face à toi ou à tes côtés, tu as des gens comme Hollande qui sont présents. Ou Sarko qui décide de rester, qui pourrait partir, il reste justement pour voir le... Bayrou est parti, mais pour le show Gérard. Pourquoi justement Bayrou est parti? Parce qu'il avait beaucoup de travail, soi-disant. Et alors, lorsque tu pars, sur les réseaux sociaux, YouTube, Dailymotion, où vous voulez, vous allez faire un tour et vous allez taper Laurent Gérard, RTL, les meilleurs moments, et vous allez trouver... D'ailleurs, on touche rien. Et alors, vous êtes fait... Alors, c'est pas vrai, parce que YouTube, comme Dailymotion, vous reverse à partir de 100 000, vues, au moins 80 euros. Donc, va demander à RTL... Je savais pas, toi. Oui, il te doit beaucoup d'argent. Je suis content. Oui, il faudrait quand même. Et plus sérieusement, Laurent, quand tu es au contact de Sarkozy ou de Hollande et qu'ils sont plié de rire, c'est compliqué de rester concentré. C'est excitant, pourquoi? C'est excitant d'avoir le personnage imité devant. Et puis, alors j'aime pas parce que maintenant il filme un peu trop la radio. Donc moi je refuse d'être filmé, à part quand il y a un événement comme ça, où là je dis oui, effectivement c'est un peu exceptionnel, mais sinon on va être filmé. On fait de la radio, quoi, on fait pas de la télé. Si on fait de la télé, on n'écrit pas les sketchs de la même façon. Et c'est excitant parce qu'il y a, on les a jamais mis mal à l'aise. On n'a jamais voulu. On n'est pas là pour faire une charge contre le type qui est là, on est là pour rigoler et essayer d'être un petit peu léger après, on va dire, une heure d'interview. Et nous, on arrive avec nos gros sabots et on fait des plaisanteries. Mais ils ont été plutôt, et l'un et l'autre d'ailleurs, et même le président Macron, ils ont été les trois bons clients et bons camarades. Et ils te disent quoi ensuite? Ils rigolent, ils ont plutôt intérêt à rigoler. Oui, mais pendant, ils rigolent, mais après? Après, ils sont bons. Mais même pas, ils échangent un mot, t'es formidable, on t'adore, Laurent. On va te récupérer sur une liste, toi qui as des vraies valeurs. Non. Ils essayent, parfois ils essayent, mais non. Ils essayent quoi? Justement, Laurent, et très sérieusement, est-ce qu'à un moment ou un autre, puisque tu es très investi aussi à Lyon, tu adores Lyon, donc notre Gérard Collomb. Notre Gérard Collomb. Tu l'imites bien, Gérard. Vas-y, fais le ministre de l'Intérieur. Tu me réponds avec le ministre de l'Intérieur. Monsieur Argelé, vous aimez Lyon? Parce qu'il y a les machos. Eh oui, ben absolument, et j'espère qu'il viendra d'ailleurs dans l'interview sans filtre. L'invitation est lancée, Il le sait déjà. Et est-ce qu'il y a des politiques éventuellement qui t'ont sollicité pour être candidat? Pas du tout. Jamais. Bon, non. Tu n'aurais pas envie? Non, il y en a qui, évidemment, ils viennent draguer un peu de temps en temps. Ils te draguent sous quelle forme? Non, ça serait bien qu'on se voit, qu'on boive un café ensemble. Mais non. Je dis oui. Puis après, je viens de partir. Bien entendu. Ouais. Non, il faut jamais s'afficher avec. Il ne faut pas s'afficher avec. Il faut pas s'afficher. Gérard Collomb, c'est différent parce que. Je l'ai eu comme maire de Lyon, l'édile d'une ville, c'est pas pareil.
Donc, y a, c'est différent. Et puis surtout, je pense que à ce niveau-là, on vote plus pour un personnage qu'un parti. Qu'un parti politique. Un parti politique. Oui, effectivement. Non, mais c'est vrai. Et donc, comment moi, tu le perçois? Je suis apolitique, forcément. Donc. Tu es vraiment apolitique. Ah oui, oui. Tu as voté pour qui dernièrement? Et au dernier présidentiel, tu votes, tu fais ton devoir civique. Non, c'est pas. Ben, oui, je fais la démarche. C'est ce que je veux. Je fais la démarche. Jean-Marie? Non, je fais la démarche. Oui. Parce que je suis un citoyen. Il y a un signe, donc... démarche, marche, en marche. Non, non. Et, non, mais je fais la démarche, mais il y a un isoloir et jamais. Tu ne diras pour qui tu votes et tu as bien raison. Et si je vote. Et si tu votes. Et si je vote. Voilà, et voilà. Effectivement. Ça, on n'en saura pas plus. Christelle, aujourd'hui, Christelle, tu l'assumes beaucoup plus. C'est-à-dire que tu nous la montres, façon de parler. Parce que pendant des années, tu étais très. Et on respecte le fait, on ne va pas être intrusif, et tu le sais. Mmh. Mais. Tu la montres très peu, oui, etc. Non, mais Christelle, l'importance de Christelle qui aujourd'hui t'accompagne depuis 2012, ça fait 6 ans, mais je parle beaucoup plus que ça. Ça fait plus que ça. Ça fait 8 ou 9 ans. Ça fait plus que ça. Pourquoi c'est marqué 2012? Ça fait pas 9 ans, ça fait un peu plus. 10 ans? Tu me dis stop, 11 ans? Mais je sais pas, oui. Oh. Le juste prix! C'est son troisième. L'importance de Christelle, et si moi j'en parle, c'est que je l'aime beaucoup. Oui, je sais. Moi aussi. Bah oui, mais tant mieux. L'importance de Christelle dans ta vie. L'importance de Christelle dans ta vie, la question est très sérieuse. Et elle n'est pas intrusive. De quoi? L'importance. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ça me regarde. Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Ça me regarde, je ne parle jamais de ma vie privée. Je le sais. D'ailleurs, la preuve, c'est que, vous voyez, les gens pensent qu'on est ensemble depuis. Très peu de depuis temps. Hier. Oui, parce alors, que genre, longtemps, alors pourquoi parce que, pourquoi parce que aujourd'hui la montrer entre guillemets. Mais je la montre pas, je veux pas me priver de sortie. Dans le livre, elle est partout. Je vais pas me priver de sortie parce que il va y avoir un abruti avec un appareil photo qui va m'emmerder. Donc mais je fais pas de reportage, je vais pas me foutre en peignoir à Deauville avec des croissants en disant ah voilà c'est oh là là mon socle ma vie non, mais donc c'est ton socle j'ai vu beaucoup d'humoristes qui disaient je trouve ça mais alors ridicule. Moi, moi, je voulais que tu lui rendes un hommage, mais ce ne sera pas aujourd'hui. Non, je lui rendrai hommage moi-même ce soir. Laurent, ça n'a aucune importance et tu non, le sais non. bien. Et je sais que c'est non, un sujet toujours un peu ça, délicat. C'est-à-dire que je me moque tellement des gens qui font ça et qui vendent des reportages avec sans ailes, machin, etc. C'est mon équilibre. Ah là, c'est magnifique. Non, mais moi, si je voulais en parler, c'est parce que je l'aime beaucoup et qu'elle est importante dans ta vie et qu'elle est présente. C'est très. Bah oui, heureusement. Mais oui, non, mais on est content. Heureusement, et puis je suis très heureux et du coup je ne veux pas gâcher ça en déballant ça sur la place publique. Bah, ça tombe bien. On termine. Ouais, déjà. Bah, non, tu voulais qu'on parle encore de. Non, je sais pas. D'accord. 50 ans, c'est le bonheur. Laurent Gérard, ta réponse. Attention, celle-ci est importante. 50 ans. Bah 50 ans, t'as eu 50 ans le 29 décembre. Bah je l'ai tellement 2017. Fêté. Ouais. C'était tellement extraordinaire de pouvoir le fêter sur scène, sur la scène de l'Olympia. Quand on rêve de faire ce métier, de fêter ses 50 ans à l'Olympia, c'est extraordinaire. Après, je l'ai fait avec des copains à la montagne et puis j'ai eu plein de surprises, j'ai eu les gens que j'aimais. C'était un petit peu dur après la retombée. Eh oui. Ouais. Alors, j'ai été dans mon chalet. On a été un peu confinés parce qu'il y avait une météo un peu bizarre. Donc, je suis passé une espèce d'euphorie à un calme relatif. Hein. Et c'est vrai que c'est un cap. C'est un cap, mais je suis très heureux d'être toujours là, de faire mon métier avec cette liberté dont je parlais, et d'être bien entouré, et d'avoir encore la liberté de faire des choix, et de faire ce gamin. Que je veux, et de rester un peu gamin. Nous avons une séquence incontournable. Nous allons dédicacer un très beau mug. Une petite voilà. dédicace. Donc une petite dédicace. Alors, donc j'ai 50 ans, donc je. Hein. Tu mets les lunettes. Voilà. Ah oui, c'est les loupes, c'est les fameuses loupes non, pour non, éviter non, de plisser les yeux. Alors. Tu marques ce que tu veux. J'en profite pour faire la promo de nouveau de ton livre que nous vous conseillons, que nous validons. Carnet d'Assal Golz. Je te l'offre, mais enfin c'est pour le système parce que j'en reviens vite derrière. C'est pour Jean-Pierre. Télé. Et on termine en vous incitant à découvrir, évidemment, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, sur scène, Laurent Gérard, sur scène. C'est pas la télévision, c'est très sympa, sur scène. C'est vraiment, comme je dis, vous allez tomber en amour, sans modération. Alors, pour Télé-Loisirs, sans... Modération. Modération. Et attention, yalo. Merci beaucoup, merci. Laurent. Merci beaucoup, Laurent. Oui. Anne. Ça, c'était la répète. On va recommencer juste derrière, vous restez avec nous cette fois-ci, on va faire la vraie émission, on dira tout. Portez-vous bien, soyez heureux surtout, on vous embrasse fort. Bye, Laurent, bye. Et on t'aime, Laurent. Hein. Ben, c'est bien réciproque. Hein. C'est mon Lolo, oui. Moi aussi je gère pas mal en imitation. Allez, vas-y. Bah, genre, regarde Patrick Bruel.
Salut, c'est Patrick. Non, c'est nul. Non, nul. Arrête. Oui, oula. Elle est bien, non, c'est nul. Hein. Attends, non, j'en ai d'autres. Alors toi, t'es un vrai gentil, hein, vraiment. Tu sais que je connais bien ta femme. Hein. Et sinon, combien tu gagnes? Eh, ici, on est sur la bienveillance. Hein. Je vois pas. Non, vraiment, vraiment pas. Hein. Monsieur, regarde. Un mec avec une casquette, un coup de bar, tu bois des cafés? Non, laisse tomber, allez. Si ce soir, j'ai pas envie de rentrer chez moi, moi aussi, je vais le faire. Hein. Ouf. We'll be right back.